Oui. Voilà, allons-y, voilà Monsieur Tigre. Jamila, elle vient là? Oui, elle est dehors, elle est... On va laisser la porte ouverte. Ça, c'est le salon, il y a deux chauffages, il y a celui-là et celui-là. Ils ne chauffent pas. Pour le chauffage, ils s'en foutent. Ils le baissent. Ou qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais, il n'est pas à la hauteur. Le chauffage n'est pas à la hauteur. Et ça, je n'en veux pas. Voilà. La preuve, j'en ai... Regardez, voilà. La preuve cette année. Voilà l'appareil. Ça, c'est un enregistreur de température. Presque chaque année, je fais la demande pour qu'ils viennent contrôler la température chez moi. Ils me ramènent ces appareils-là. Ça fait depuis décembre 2005 que je suis là. Et 2006, j'ai fait mes lettres à la société pour leur dire que je n'ai pas de chauffage. J'ai les écrits. Ils m'ont dit que si vous voulez, on vous ramène les convecteurs. Mais je lui ai dit, il n'y a pas de problème, vous me ramenez les convecteurs. Mais là, l'électricité, qui paye l'électricité? Ils m'ont dit que c'est toi. Alors, je n'ai pas accepté. Celui-là, il a été déposé maintenant plus de 2 mois qu'il est là, chez moi. Ils ne sont pas venus le récupérer. Et aujourd'hui, il y a le directeur général de la société qui est venu sur place dans la cité. Je leur ai posé cette question-là. Pourquoi l'enregistreur, il le ramène chez moi? Normalement, il m'a dit, le chauffagiste, il m'a dit, dans une semaine, je viendrai le récupérer. Alors que, passé 2 mois maintenant... Ils ne sont pas venus le récupérer. Pourquoi? Je ne sais pas. Et une année, chaque année, ils viennent prendre ces enregistreurs. Ils me disent que ça, la température est nickel chez toi, Monsieur Tigre. Une fois, je les ai ramenés, mais je les ai mis dehors. Et ils le savent, eux, ils le savent que je les ai mis dehors. Et en fin de compte, ils me disent que, Monsieur Tigre, la température est nickel chez vous. Je leur ai dit, arrêtez. Ces appareils, ils ont passé une semaine dehors. Et vous me dites maintenant que la température est nickel. Vous ne savez même pas, qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils laissent les gens dans toute une cité sans chauffage. Ça, c'est normal, ça. C'est normal, ça. Ce matin, j'ai dit à la personne, je vous invite de venir passer la nuit chez moi. Passer la nuit chez moi. C'est pas le jour. La nuit, je peux pas utiliser le gaz. C'est impossible. Je dors et en plus, le soir, j'utilise 2-3 couvertures. Mais la nuit, j'utilise 2-3 couvertures. Mais le jour, c'est tout à fait normal. Il y a la cuisinière, c'est... Et merci au gaz. Est-ce que tu peux nous expliquer les contrats tiges, tu disais, par rapport au gaz? Oui, le contrat tige, ça existe. À l'époque, il y avait les gendarmes qui habitaient ici. Et de là, après les gendarmes, ils avaient fait un contrat avec l'ancien propriétaire des lieux. Et ils avaient signé ce contrat tige qu'ils avaient négocié. Ça est resté. Jusqu'à, après, sont arrivés les nouveaux locataires, les grandes familles qui habitaient dans des bidonvilles, les gens de la Cayolle, de Saint-Pierre, de Ducré, de la Capelette, un peu de tous les côtés. C'est-à-dire qu'on a des gens, des anciens gens de plus de 40 ans dans ce quartier. Et ce contrat, on l'a toujours gardé. Et à l'heure actuelle, ce contrat nous permet déjà, nous, les gens de Herbel, déjà à avoir moins de frais, c'est-à-dire que déjà, bon, vous savez que dans le privé, le gaz est très cher, que là, il est compris dans notre forfait. C'est-à-dire que dans l'année, à l'époque, moi je le comptais en francs, on payait 20 francs par mois. C'était pas énorme. À l'heure d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il est à 60 euros, à peu près. Hein. À l'année? À l'année. À l'année, oui. À l'année. Non, c'est pas cher, c'est pour ça que... Il n'est pas cher du tout. Mm-hmm. C'est pour ça que les gens, bon, ceux qui ont les moyens... Ils ont acheté des convecteurs. On va aller dans d'autres appartements que vous verrez que les gens sont équipés de convecteurs ou de clim. Pour se chauffer. Pour se chauffer, effectivement. Et d'autres qui n'ont pas les moyens, parce que déjà qu'on a déjà la consommation d'eau qui est énorme, là on va avoir une consommation d'électricité qui va être pire par rapport aux convecteurs et par rapport au clim. Et là, les gens qui n'ont pas vraiment pas les moyens, qui ne peuvent pas faire autrement, eh bien, ils allument le gaz
pour se chauffer. Mais par contre, nous, on va revenir, on va demander au bailleur le geste commercial par rapport à l'électricité, parce que c'est pas normal, ils le savent très très bien ce qui se passe. J'aurais posé moi-même la question en préfecture, quand c'est qu'on allait être chauffé. Ils m'ont répondu le 15 octobre 2018. J'ai dit, moi j'ai répondu, bon, 15 octobre, faisait encore un peu bon. J'ai dit, bon, j'irai jusqu'au 30. Aujourd'hui, nous sommes le 29 janvier 2019. Et aujourd'hui, la cité a froid, tout le monde a froid. C'est dans tous les appartements, c'est tous les jours des coups de fil. Malgré les plaintes aux gestionnaires, malgré les appels au 08, c'est un appel surtaxé. Surtaxé, oui. Que les gens doivent appeler. Et quand ils appellent, on les renvoie à ces personnes, aux gestionnaires. Alors, on nous dit que le chauffagiste, on a une chauffagiste ici, il n'arrive pas à faire tout, hein. Il ne peut pas être dans tous les appartements, essayer de voir, sans compter qu'on a des fuites primaires, ce qui empêche les radiateurs de chauffer, ça ils le savent très bien. Je vous ferai montrer des travaux qu'ils ont commencé mais non finis, tout ça ils jouent. Là, il y a un petit ras-le-bol de chez nous, quoi. Là, c'est, on dit de faire le nécessaire, au moins déjà que l'eau, on ne peut pas la consommer. Si maintenant on a froid, c'est vraiment aberrant, ça ne peut plus durer. Ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Et j'ai accepté que l'expert fasse les analyses chez moi le 18 décembre dernier. Et en fin de compte, il s'est avéré que j'ai la légionellose. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On est là, on n'a ni chauffage, ni eau propre. Il y a quoi comme privilège ici? Il y a quoi? On était trop gentil avec eux. En 2011, on a créé cette section ici à Herbel. La CSF. Oui, la CSF, on l'a créée en 2011. On était trop gentil avec eux. C'est à cause de cette gentillesse. Par contre, voilà. Vous pouvez nous expliquer, la CSF, c'est le... La Confédération syndicale des familles. Donc, c'est la toute première association... Tout à fait, en France, oui. ...de défense des locataires sur Herbel. Oui. Non, après la CNCV. Il y avait la CNCV. Mais la CNCV, qu'est-ce qu'elle a fait? Après la CS... Non. Voilà. Avant, peut-être, les gens, ils avaient peur. Mais maintenant, cette mentalité, elle est partie. Il y a d'autres personnes qui se sont apparues, comme Madame Jamila, et je la remercie, c'est grâce à elle que ça a bougé à Herbel. Ce qu'on a fait remonter, c'est que la nuit, on a les radiateurs classés. Ils arrêtent les radiateurs dans la nuit. Et ça, moi, j'invite les hauts responsables, les DG, c'est-à-dire les directeurs généraux, et qui viennent en fin d'après-midi nous voir, qui viennent dans nos appartements, qui viennent contrôler par eux-mêmes dans quoi on vit. Vous dites qu'on a du vin, mais c'est du vin que nous, on se procure. C'est nous qu'on se le procure. Comment on se le procure? En allumant le gaz, en mettant des convecteurs, en mettant des clims réversibles. C'est comme ça que nous, on a du vin. Et encore, c'est pas suffisant. Et après, on nous dit, oui, mais ils ne sont pas signalés. Comment ça, ils ne sont pas signalés? Mais bien sûr, ils sont signalés. Alors quand on me dit non, il y a tant de personnes et tant de personnes, mais non, si vous faites des papiers volants, c'est normal que vous n'ayez personne. Mais tout le quartier se plaint. Ou sinon, quand il y a des gens qui ne comprennent pas trop le français, qui ne savent pas trop s'exprimer, qui vont, on les rejette, on les refoule. Et après, moi, ils viennent me voir à moi, mais moi, j'essaie de vous faire remonter tout ça, mais ils le savent très bien qu'ils ne savent pas chauffer. Mais moi, je les invite à tous ces gens-là de venir chez nous passer la soirée. Et en plus, Jamila. Et on n'est pas des sauvages, hein. On a déjà séquestré une fois le chauffagiste. Parce qu'on n'était pas chauffés. Ils sont venus, le grand monde, ils sont venus. On a été chauffés le soir même. Mais quelques temps, et après, c'est retombé en panne. Et en plus, Jamila, ce chauffage-là, on le paye à l'année. Bien sûr qu'on le paye. Voilà, c'est pas, on le paye pas décembre, janvier, février. On le paye 12 sur 12. On paye l'entretien, vous vous rendez compte? On paye l'entretien, le chauffage qui n'est même pas acquis. Eh oui. S'il était acquis, cet entretien, il n'y a pas de souci, mais il n'est pas acquis. Vous vous rendez compte, nous n'avons plus personne dans notre famille. Les gens ne viennent plus chez nous extérieurs. Ils ne veulent pas, mais les enfants... Alors déjà, entre l'eau qui n'est pas bonne, et en plus qu'ils viennent et qu'ils ont froid, il n'y a plus personne qui veut venir. Il n'y a que des rhinos, il n'y a que des... Moi, mes enfants, ils ont des nourrissons... Ils ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir passer la nuit chez moi. Ça, ce n'est pas de la honte. Et moi, ça fait des années qu'ils me demandent de quitter ce logement.
Vas-y dans le, maintenant dans le privé. Et ne reste, viens chez nous. Ouais. Il ne reste pas ici. Je paye moi, je paye 500 et quelques euros. Et le chauffage, je le paye 1000 euros à l'année. 1000 euros, vous imaginez ça? Sans être chauffé? Il y a ce matin, il y a une femme à la tour 1. Elle est passée, elle a trouvé le monde qu'il y avait. Elle leur a dit, mais vous êtes qui? Elle leur a répondu que nous, c'est la UNICEL, le directeur général et les autres. Elle a dit, mais pourquoi vous nous laissez sans chauffage à cette époque-là? Cette dame, elle avait quel âge? Elle a peut-être 75 ans. Qu'est-ce qu'il a répondu, le directeur d'UNICEL? On va essayer. Qu'est-ce qu'ils vont essayer? Je ne sais pas. Monsieur Tigre, vous rappelez qu'on avait dit, c'est-à-dire, après quand on avait ces réunions, qu'on disait qu'on voulait de la communication. Et assister au déroulement des... Oui, c'est vrai. Et assister au déroulement. Nous, on avait des signalements d'appartements insalubres, des problématiques. Moi, ce que je relève aujourd'hui, c'est pas normal que c'est nous qu'on doit alerter les gestionnaires ou les bailleurs ou la préfecture des problèmes qu'il y a dans notre quartier. Nous, on est des simples locataires, des simples habitants. Oui, et oui, c'est oui. Nous qu'on doit constater tout ça. Nous, on avait demandé qu'il y ait une communication. Quand nous, on déclarait un sinistre quelconque, d'avoir le suivi. Quand on déclarait d'un appartement insalubre, d'aller chez la locataire, de constater ce qui était... À constater, oui. Et de là, faire venir une entreprise pour les travaux. Et quand c'est fini, de retourner chez la locataire pour faire le quitus. Le constat. Le quitus. Qu'est-ce que c'est le quitus? Alors le quitus, c'est-à-dire que quand je déclare un appartement insalubre, ils vont venir faire les travaux. On est venu avec une le société, bailleur. Voilà, et la société. On va chez la locataire avec l'entreprise. Or, il y a ça à faire. Et une fois que c'est fini, il faut faire signer un quitus au locataire, comme quoi que les travaux qui étaient dits ont bien été effectués. Elle signe comme quoi que ça a été bien fait, que c'est propre, qu'il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Mais ça n'existe pas. Tout ça est fait en cachet de nous. Mais le problème, c'est qu'on revient à chaque fois dessus. À l'époque, tu te rappelles comment ça se passait? Comment ça se passait à l'époque? À l'époque, par exemple, un plombier vient vous changer un robinet. À la fin, il marque l'observation. Il marque l'observation et il vous fait signer. Voilà, ici. Maintenant, ça n'existe plus. Un double pour lui et un double pour le bailleur. Tout à fait. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a pas que dans la plomberie. Dans tout. Dans tout. Comme on a vu en bas. Là-bas, il a été dit, ils sont en train de faire l'extérieur au lieu de faire l'intérieur. Ça a été dit. Voilà. Puisque j'étais là. C'est pour ça qu'on en parle. Et là, j'ai parlé, au lieu de faire les intérieurs, ils devraient commencer à faire les extérieurs, les façades. Parce que le problème, il vient d'où? Des façades. Par rapport à l'isolation thermique. Thermique et tout, Ça, on en venait là, nous. Voilà, on en venait là, c'est pour ça. Mais donc, c'est bien le préciser. C'est bien dans la boîte. C'est bien ce qu'on a dit. Voilà. Ça y est, j'en bégaye. Si vous touchez les murs, ils ont mis ce contreplaqué, mais c'est glacé. Mais imaginez si on a le chauffage. On serait bien chez nous. On fait tout ce bruit-là, jamais de la vie. On n'a pas besoin d'autres problèmes. On veut vivre dignement, on paye un loyer et on veut vivre dignement. Les gens d'Herbel veulent vivre dignement. Ils veulent rentrer chez eux et enlever leur veste, leur foulard, tout, et être à l'aise chez eux. On n'est même pas à l'aise dans notre maison. Exactement.